Hey, ça y est. Bon, il est presque 20h, donc j'avais dit à 20h pile, j'ai un peu le temps de vous parler. Alors, on se retrouve encore une fois pour un petit live acoustique. Alors, cette fois-ci, j'ai fait ça en mode un petit peu plus pro, avec un petit éclairage, etc., avec le son qui va bien. J'ai même mis un accordeur au pied, comme ça, je me serais moins emmerdé quand je m'accorde, et j'irai beaucoup plus vite. Alors, du coup, comparé à la semaine dernière, en fait, j'avais que 3 morceaux qui étaient terminés, plus un qui était. On va dire bien avancé. Là, j'ai un petit peu avancé, voire beaucoup. J'ai à peu près 7 morceaux, quoi. Je vais vous les jouer un par un après. Du coup, je vais essayer aussi de refaire les reprises d'Andy Mackie. Ça fait super longtemps que j'ai pas essayé de les faire. J'avais essayé de les faire la dernière fois, c'était un petit peu périlleux. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec une chanson qui s'appelle Go. Pour ceux qui sont intéressés, l'accordage, celui-là en plus je l'ai en face de moi donc c'est très bien, j'ai même fait une petite setlist et tout. Do, Sol, Ré dièse, Fa, La dièse, Ré. Comme il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé en message, donc voilà. C'est parti! S'appelait Go. Donc ça c'est l'un des premiers morceaux que j'ai écrit pour la guitare acoustique. Donc voilà, on voit un petit peu. Je galère encore un petit peu. C'est pas grave. Après il y a des petites erreurs à tout, mais c'est pas. Toujours même accordage, Do, Sol, Ré, dièse, Fa, La dièse, Ré. Cette fois-ci avec le capot à la troisième case. Alors du coup là par contre il faut que je fasse attention. Parce qu'en fait le problème c'est que cette guitare-là elle est pas trop faite pour jouer avec l'accordage standard d'une guitare, c'est mi, la, ré, sol, si, mi. Et ce qu'il y a c'est que là en fait j'ai des cordes qui sont soit plus aiguës que leurs notes de d'habitude ou plus graves. Et ce qu'il y a c'est que moi ma guitare elle est pas... réglé pour ce genre de truc, donc du coup des fois c'est légèrement faux, donc faut vraiment faire attention. Là par exemple juste avant de jouer le morceau, c'est un peu le problème, c'est que je suis obligé de checker à chaque fois. Alors bon, c'est un peu chiant, mais bon, ce qu'il y a c'est que c'est soit ça ou soit je joue faux, donc, donc voilà.
celle-ci s'appelle Farewell Without Tears. En fait, c'est né simplement d'un truc parce que je me faisais chier un jour et je faisais ça. Et je me suis dit, oh, c'est rigolo. Et c'est un peu ce qu'il y a dans Drifting, dans Dimaki. Et bref, donc ça se joue que en tapping au début. Farewell Without Tears. Alors juste 30 secondes, il faut juste que je vérifie s'il y a encore la connexion. On a changé. Oh oui, c'est parfait. On a changé de box, etc. Donc du coup, il faut que je vérifie quand même s'il y a encore Diet. Parfait. Donc ouais, vous pouvez laisser des commentaires, etc. Pareil, je réagirai après. Je peux malheureusement pas réagir en temps réel parce que le téléphone sert de caméra, etc. Il est trop lent pour que je le lise. Donc voilà, ça c'était Farewell Without Tears. Alors non, je l'ai trouvé en fait simplement parce que j'ai réécouté en fait le morceau dans le métro une fois sur mon dictaphone et je l'ai écrit il y a un moment, il y a quand même presque 2 mois celui-là, enfin j'ai commencé à l'écrire il y a 2 mois et je me suis dit que c'était un très beau morceau pour dire au revoir en fait. Et, paradoxalement je jouais au début, mais donc voilà. Le prochain morceau, si je ne me trompe pas, il s'appelle Cold et celui-ci en fait je me trompais à chaque fois, je sous un autre nom, mais comme j'ai rangé récemment mon dictaphone et tout mon bordel, en fait, je me suis aperçu que bah en fait je me trompais de nom dans les chansons. Et donc voilà, donc la prochaine que je vais vous jouer s'appelle Cold. Celle-ci, je l'ai. Alors, les deux d'avant, généralement je mets quand même 2 semaines à finir un morceau, 2-3 semaines. Celle-ci, bizarrement, je l'ai fini quasiment dans la journée en fait. Trouver le riff, enfin le riff, le gros du morceau en début d'après-midi et 4 heures après j'avais le morceau quoi.
C'est tellement rare. Et donc voilà, quoi, je l'ai appelé Cold, parce qu'il faisait froid dans la maison quand je l'ai écrit. Donc, et puis il me rappelait un petit peu ce sentiment un peu froid. Donc voilà, et ça se. Alors, je vais juste checker vite fait si je suis bien là. Moi c'est bon, ça s'appelle Cold. Ça s'appelait Cold, froid. je me suis pas trop planté, ça va à peu près. Sachant que je les ai pas encore toutes bien, surtout celle d'après, qui s'appelle Santa in September, donc le Père Noël au mois de septembre. Donc là, j'ai changé d'accordage pour celle d'avant. S'il y a des guitaristes qui suivent, là je suis en Ré dièse, Sol, Ré dièse, Fa, La dièse, Ré. Donc un peu bizarre. Et donc voilà, donc Santa in September là, va arriver. Alors celle-ci, c'est pareil, je l'ai écrite un matin. Enfin, en fait, j'ai trouvé le riff un matin et j'ai trouvé que ça faisait fort chanson de Noël. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler le Père Noël au mois de septembre. Et alors, je l'ai presque fini celle-là. Enfin, je pense avoir terminé, il manque vraiment juste un tout petit truc de fin que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà, je suis pas encore exactement sûr de ce que je vais jouer. Donc voilà, ça va être un petit peu le test que j'ai enregistré tout à l'heure juste pour voir. Et... Bon, il y a eu quelques ratés, hein, mais bon, on s'en fout, on est là pour se marrer quand même. Ça s'appelle Santa in September. Thank you.
petite chanson courte, hein, mais qui fait toujours plaisir. Je vais peut-être rajouter une petite partie, histoire que ça soit un tout petit peu plus long, quoi. Que, je pense que de faire un petit 2 minutes 30, c'est bien, quoi. Ce genre de chanson, ça n'a pas besoin d'être plus long, quoi. Sinon, c'est comme c'est la mélodie à chaque fois. C'est pas... Donc voilà. Ah, là, on arrive dans le moment intéressant. Donc, les trois nouveaux morceaux qui vont arriver. Alors, enfin, deux, et je vous jouerai peut-être le troisième tout à l'heure avant d'arrêter. Parce que c'est vraiment un peu le bordel. Donc voilà. Alors, le prochain morceau s'appelle, si je me trompe pas, Waves of Zen. Les vagues de Zen. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé ce morceau comme ça. En fait, c'est juste que la technique que j'utilise, comment je pourrais appeler ça ? C'est des arpèges très très rapides, en fait. Et c'est au doigt. Et c'est un peu rubato en fait, enfin, rubato. En fait, il n'y a pas vraiment de tempo donné en fait. Tout est vraiment très libre d'interprétation. Et j'avais appris une pièce comme ça il y a longtemps en classique de Les Brewer. Je ne sais plus le nom de cette pièce, mais ça donnait un truc un peu avec des arpèges dans tous les sens et tout. Mais qui n'est pas très difficile à jouer en fait. Tout se fait avec la main qui gratte les cordes, donc pour les droitiers celle-là et pour les gauchers celle-là. Et tout est très rapide et enfin vous allez voir. Je vais vous jouer juste la deuxième partie du morceau en fait. La première partie est en 6-8, en ternaire si on veut. Et la deuxième partie est en 10-8. Ceux qui font de la musique, c'est bien. Il y a quand même une métrique intermédiaire. Encore à jouer vraiment à la vitesse que je voudrais. Et donc voilà, donc ça s'appelle Waves of Zen. Je vais essayer de le jouer bien. Waves of Zen. Bon, c'est encore en chantier, sachant qu'en plus, alors c'était deux pièces à la base. La première pièce en 6-8 s'appelait vraiment Waves of Zen, donc celle-ci. Ça, c'est dur, ça. J'arrive pas encore à bien le faire. En fait, le principe de ça,
Et l'avantage des accordages, on va dire alternatifs, c'est qu'en fait, on peut faire des cascades de notes, un peu comme une harpe ou un piano avec la pédale qui tient les notes, en fait. Et c'est ça, en fait, le gros avantage, parce que sur un accordage standard, on va dire, ou classique, faut faire des écarts comme ça, totalement ridicule. Donc, du coup, l'avantage, c'est que là, en groupant les mains et en faisant, bon, en cherchant un peu comment ça fonctionne, voilà, on a le genre d'harmonie ou là avec les notes super ouvertes. Simplement en changeant une basse. Ça, c'était la première partie, donc c'était le premier morceau que j'avais trouvé. Et le deuxième morceau, en fait, il démarrait justement comme ça. En fait, ça partait d'un exercice que je m'étais fait pour les doigts, et en fait, j'ai trouvé ça. Voilà, puis après, j'avais rajouté. Je sais pas si vous entendez clairement en fait l'espèce de. Bref, donc voilà. Ça s'appelait Waves of Zen. Je vais vous jouer le début de l'autre morceau qui s'appelle Miwa Sado. En fait, il s'appelle comme ça parce que j'ai lu un article en fait sur une journaliste japonaise en fait qui est morte après 159 heures de travail de. D'heures supplémentaires et j'ai trouvé ça complètement ouf quoi. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'au même moment j'avais une petite mélodie en fait que j'avais trouvé je vais vous montrer de où c'est né quoi en fait j'avais trouvé cette petite mélodie sympa et mais je savais pas trop comment lui donner de nom et ni comment la continuer en fait et en fait ben quand j'ai quand j'ai lu cet article, comment dire, ça. Médecin Fadès, excusez-moi. Quand j'ai lu cet article, je me suis dit, ah tiens, c'est la musique que j'avais fait la dernière fois, enfin la petite mélodie, c'est un peu japonisant, si on peut dire. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais utiliser cette mélodie. Et je vais lui donner ce nom-là. Et du coup, en fait, je me suis inspiré un petit peu de l'article en question pour écrire le morceau donc voilà et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de plus elle n'est pas terminée je suis pas très loin mais en fait il y a une partie que j'arrive pas à enchaîner avec une autre qui est un peu un truc avec deux mains des percussions etc donc ça je l'aurai peut-être pas non plus la prochaine fois je l'aurai bientôt mais je vais quand même vous montrer le début du morceau qui est intéressant donc voilà. Et alors je vais juste checker si je suis bien là. Non, je suis pas du tout bien accordé. C'est pas du tout ça. Ok, je suis pas du tout sur le bon accordage. Ah mais oui, c'est vrai que je suis con en fait. Ah oui, je prends pas le bon en fait. Bon, désolé, je vous ai fait perdre un peu de temps. Voilà. Ah, ça sera peut-être mieux. Ré dièse, la dièse, ré dièse. Et donc voilà. Et alors, la dernière fois, je vous parlais aussi que j'allais créer une page Facebook. Alors c'est simple, c'est tout con, hein, c'est juste que comme ça, moi je peux un peu voir. Bah, qu'est-ce qu'il faut que je travaille sur la vidéo, etc. Parce qu'il y a une espèce de système analytique et tout. Donc voilà. Alors, ça s'appelle Miwa Sado. Oui, bien sûr, ouais, accordé comme ça, ça m'étonnera. C'est un Fa et pas un Fa dièse. Voilà.
Donc là vient la partie en question que j'ai pas encore réussi à apprendre, mais en gros c'est le système de percussion en fait avec la main qui fait un peu plein de trucs en même temps. Donc voilà, ça s'appelait Mi Wasabi. Je vous le rejouerai la prochaine fois. Dès que je l'ai, de toute façon je le rejouerai. Je le rejouerai proprement quoi. Du coup alors là je vais passer un petit peu sur les reprises. Donc on va faire un petit peu de. Faire un petit peu de Andy McKee, ça va être cool. Je vais rester à un mi-temps en dessous, tiens, ça va être rigolo. Juste pour le fun. Voilà. Voilà. Ça, je vais le mettre aussi. Alors, le morceau que je vais jouer d'Andy McKee s'appelle For My Father. Pour mon papa. S'il regarde, bah. Les titres que je vous ai joués juste avant, je compte pas du tout les sortir sur un EP ni quoi que ce soit. Pour l'instant, je me fais juste plaisir à écrire des morceaux. Ça me va très bien. Je continuerai à faire des lives avec, etc. Peut-être pas des concerts parce que, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas forcément envie de refaire des concerts. Et donc voilà quoi. Que dire d'autre? Voilà, donc là je suis à peu près accordé. Donc oui, je vais vous jouer For My Father. Voilà, avec le bel accent anglais qui va bien. Alors faut juste que je recheck, pareil quand je mets le capot, le problème c'est que bah ça devient dégueulasse. Checker à chaque fois, c'est un peu long, c'est chiant, mais c'est le problème d'avoir 10 000 accordages en fait. Ouais, je suis pas mal. Ah! Oui. Est-ce que je suis bon là? Ah non, c'est un mi. Donc du coup, ré dièse, si. Ah, ré bémol. Voilà. Et celle-là, c'est un. Ré bémol. Désolé. Alors c'est vrai que j'ai rematé la vidéo la dernière fois, c'est long en fait quand je m'accorde. Mais malheureusement, je suis un peu obligé quoi. Sinon, comme je suis tout seul, je peux pas me cacher derrière des gens. Si on est 40, c'est plus facile à cacher le fait qu'on soit désaccordé. Mais là, faut que. Alors, ouais, celle-là. Voilà. Voilà.
Donc ça s'appelle For My Father. For my father, yeah. Bon, il y a eu des petits ratés, hein, mais bon, on peut pas non plus tout réussir tout le temps. Ce serait pas drôle. Du coup, voilà, je suis dans le bon accordage pour jouer un autre morceau de Andy McKee. Andy McKee, voilà. Je vais vous jouer avec le bon accent français, Ryline. Là, c'est. Thank you.
Ça s'appelait Railine. C'est super dur ça, là. Franchement, je galère. Je crois que c'est vraiment l'une des chansons les plus dures que j'ai apprises. Alors, je vais vous jouer Drifting. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Drifting et donc voilà, on va se quitter avec avec un morceau d'Andy Mackie qui s'appelle avec Nocturne. Tiens, pourquoi pas, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas joué, donc du coup
coup, ça va être une grosse catastrophe. Donc voilà, j'espère que bah, ça vous aura plu. J'espère que d'ici la prochaine fois, bah, j'aurai quelques nouveaux morceaux à vous présenter, ou au moins ceux que je vous ai présentés, que ce soit des versions définitives. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Si ça vous dit, vous pouvez faire tourner à vos potes, etc. Et pas de soucis, tout est libre de droit, pas de problème. Par contre, le premier qui se fait du fric avec mes chansons, ça va chier. Donc voilà, si je me trompe pas, je dois être bien accordé. Donc pareil, hein, on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, j'aurai créé une page Facebook, je pense. Enfin, faut encore que je fasse des belles petites photos, etc. Pour que ce soit propre. Hein. Mais, Donc voilà, on va se quitter avec celle-ci, c'est plutôt pas mal, en plus, ça, c'est une bonne idée. Ça s'appelle Nocturne, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Thank you.
Donc voilà. Très bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine.